Me voici à Gare du Nord. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de la gare et des conditions. Je suis là pour vous parler d'une artiste. Une artiste que j'ai découvert. Je vais voir comment. Vous savez, notre blog, toutes les vidéos sont. Que nous faisons sont sur notre blog, mais avant, il faut qu'il soit sur un autre site. Sur YouTube, sur notre blog arrête-de-faire-faire-overblog.com, puis, enfin, surtout avant, eh bien, ça va sur YouTube. Parce que là, tout va bien. Et de temps en temps, il nous propose, comme vous savez, notre portable ou ordinateur ont des espions. Tous les sites dans lesquels nous allons ont des espions. Et ils savent ce que nous aimons, musique, etc. Et de temps en temps, ils nous proposent des jeunes artistes qu'on découvre comme ça. Et il y en a une anglaise, chanteuse. Au début, je pensais qu'elle était allemande. Bah non. Elle était anglaise. C'est Amy McDonald. C'est sûr que son nom aurait pu m'indiquer, me donner une indication. Et je l'écoute. J'avoue que j'adore. J'ai adoré cette artiste. Anglaise, je le répète, Amy McDonald. Alors, j'ai en tête notamment l'un de ses concerts. Alors, le début, Johnny, c'est rien à côté, hein, parce que là, ce sont des copains. Je vous raconte. Elle est sur une place, un village, en Angleterre. Elle chante, commence à chanter, ça, avec sa guitare. Puis, quelqu'un passe à côté d'elle et il prend le relais. C'est elle qui passe à côté d'elle. Et là, c'est l'autre artiste qui chante, que je ne connais pas. Sans doute un artiste anglais. Puis cet artiste passe à côté de quelqu'un d'autre. Il se met à chanter à sa place, etc., etc. Ça dure quelques minutes, le temps du début de la chanson. Puis, c'est elle qui reprend le flambeau et qui chante. Et là, ils arrivent. Toutes les personnes qui ont chanté, au moins une trentaine, arrivent. Alors, pas sur la scène. Un stade, mais devant la scène, juste devant le public. Et ils continuent à chanter, à danser, tout ça bien. Amy chante, puis ils montent tous sur scène derrière elle. On dirait que c'est le final, mais là, il y a un autre artiste très très connu, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mon excuse, qui se met à chanter. Et il chante en duo. Enfin, vu qu'il y a plusieurs artistes, c'est plus vraiment un duo. Il chante et il rechante. Et c'est un véritable plaisir. Voilà. C'est très rock, très. Ça, c'est une artiste que Johnny aurait pu inviter sur scène. Bon, il a peut-être essayé, elle a refusé, c'est possible aussi. Hein. Mais elle aurait pu. Elle a ce qu'il faut pour pouvoir chanter avec un artiste tel que Johnny. Voilà. Alors, si vous voyez cherchez sur internet Amy McDonald et si vous aimez sa musique, achetez son disque. L'un de ses CD. Elle en a fait plusieurs. C'est une jeune artiste, je pense qu'elle doit être plus jeune que moi. Mais elle en voit, elle a des tatouages. Elle est. Voilà. Elle a une voix qui nous envoie presque au 7e ciel. Et puis elle est jolie. Voilà. Alors, Amy McDonald, écoutez-la. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique. Très très bien. Au revoir. Goodbye.